Dans notre film précédent, nous avons parlé du fait que dans l'histoire mondiale, il existe beaucoup de contradictions qui n'ont toujours pas été expliquées du point de vue scientifique et logique. Il y a aussi beaucoup de questions envers la chronologie admise aujourd'hui, qui a été entamée et pratiquement terminée au XVIe-XVIIe siècle par l'historien et philosophe Joseph Scaliger et par le jésuite et théologien Denis Petot. Depuis les temps anciens et jusqu'à nos jours, toute l'histoire de l'humanité est rigoureusement datée. Dans de nombreux ouvrages de référence sur l'histoire et sur l'archéologie, on peut trouver des réponses pratiquement à toutes les questions. Des musées du monde entier abritent des objets uniques qui témoignent des époques révolues. Parmi ces objets, on ne trouvera pas un seul sur la plaque duquel il serait écrit « Origine inconnue » ou « Âge inconnu ». Tous ces objets sont attribués doctement à des catégories et sont rangés dans un ordre chronologique strict. Mais comment les scientifiques ont pu savoir que, disons, cette cruche-là est du 5e siècle avant notre ère et celle-ci est du 8e siècle, cette fois-ci, de notre ère? On suppose qu'en matière de datation des objets anciens, les méthodes modernes sont bien vérifiées et surtout sont très sûres. Dans ce film, nous allons essayer de comprendre si c'est en effet le cas. Est-ce que l'histoire mondiale est réellement basée sur des preuves scientifiques rigoureuses? Commence par des fouilles archéologiques. Ce sont bien sûr les anciens sites habités qui suscitent le plus grand intérêt des archéologues. C'est à ces endroits qu'est concentrée l'histoire du développement d'un peuple ou d'un autre. Tout lieu qui a été habité durant longtemps conserve des traces de la présence humaine. S'accumulent des ordures, se détériorent des anciens bâtiments, et à leur place se construisent des nouveaux. Presque dans chaque ville qui a une histoire longue de quelques siècles, on peut trouver ce genre de bâtiment. Il paraît que ce bâtiment s'est enfoncé dans le sol sous son propre poids. En réalité, la raison est ailleurs. Les ordures étaient balayées à l'extérieur des maisons, on jetait aussi des os, des souliers usés, des objets divers abîmés, des vaisselles cassées. Ces restes étaient couverts de poussière. Les gens et les animaux en marchant ramenaient de la boue. Ainsi, le niveau du sol s'élevait peu à peu. C'est de cette façon que durant des siècles s'est formée une strate culturelle. Pour l'instant, les archéologues ne peuvent pas déterminer la vitesse de formation de ces strates. Dans chaque cas précis, cette vitesse est différente. Mais les archéologues peuvent déterminer dans quelle succession les strates se forment. La science sur l'étude de ces strates culturelles s'appelle la stratigraphie. Pour effectuer ces études, on creuse un trou où on trouve une partie découverte d'une rive ou d'un ravin. Ce flanc est gratté de façon méticuleuse afin de pouvoir bien distinguer toutes les couches. Mais comment savoir en quelle année ou siècle s'est formée chaque couche? Généralement, les strates contiennent des objets. Ça peut être des restes des maisons en bois, des monnaies, des céramiques, des bijoux, des documents ou encore autre chose. C'est à l'aide de ces objets qu'on peut dater chaque strate. Pour dater les objets même, on utilise des méthodes physiques, chimiques, biologiques et autres. Nous allons étudier les méthodes les plus répandues afin de savoir si on peut toujours déterminer l'âge exact des monuments historiques en les utilisant. La méthode de datation par analogie, c'est la base ou le commencement de tout.
Dès que les archéologues découvrent un monument ancien, sur place même, ils essaient d'établir l'âge des découvertes, des ustensiles de ménage, des armes ou des bijoux. Il y a une difficulté. Dans la production ancienne manuelle, même un seul artisan ne pouvait pas fabriquer des objets identiques. C'est pourquoi la plupart du temps, on trouve des objets qui ne sont pas identiques, mais analogiques. D'où le nom de cette méthode, la datation par analogie. Globalement, ça marche de cette manière. Supposons qu'à Novgorod, on a trouvé une bague. D'après certains critères, les scientifiques arrivent à une conclusion qu'elle a été fabriquée au XIIe siècle. Quelque temps plus tard, les archéologues trouvent une autre bague, un Ural. Et cette bague ressemble beaucoup à celle de Novgorod. De là, on fait une conclusion que la deuxième bague est aussi du XIIe siècle. Mais pourquoi? Simplement parce qu'elles se ressemblent. C'est une méthode qui est très grossière. Ici, nous ne pouvons nous prononcer qu'approximativement. La nuit, c'est qu'il peut s'agir d'un doublon, tout à fait de hasard. La seule chose qu'on peut constater avec certitude, c'est que l'objet est ressemblant. Mais il peut être fabriqué plus tôt ou plus tard, et du coup, on peut se tromper dans nos analogies. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que les archéologues différents n'ont pas toujours la même opinion en matière de ressemblance des objets. Finalement, les critères de ressemblance ou de non-ressemblance des objets sont subjectifs. Il y a encore un moment très important. Des objets précieux, de culte ou de mémoire, peuvent être gardés et légués d'une génération à l'autre. Si dans un vieux bâtiment en ruine, on trouve un objet que les archéologues ont daté du XIIe siècle, ça ne veut pas forcément dire que la maison aussi a été bâtie au XIIe siècle. Probablement, dans ce cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un des habitants de cette maison a possédé ce vieil objet. Conclusion. La méthode de datation par analogie est trop subjective. Elle n'a pas de base véritablement scientifique. Elle ne permet pas d'établir non seulement l'âge exact, mais même approximatif de l'objet découvert. On suppose qu'une strate culturelle ou un tombeau peuvent être datés, entre autres, à l'aide des pièces qu'on y trouve. De quoi s'agit-il? Par exemple, les archéologues mènent les fouilles d'un site. Aucun des objets trouvés ne les renseigne au sujet de l'âge de ce site ancien. Mais si on trouve des pièces, apparaît alors une chance d'établir l'âge de ce monument archéologique, car les pièces de monnaie doivent contenir l'information nécessaire. Nous sommes habitués à ce que sur les billets ou sur les pièces de monnaie modernes, il y ait le nom du pays ou un portrait d'un chef ou d'un fondateur du pays et, bien sûr, la date de l'émission. Le souci, c'est que c'est seulement ces derniers 250-300 ans qu'il est devenu obligatoire de mettre sur les pièces l'année de l'estampage. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, ça ne faisait aucune différence si sur les pièces de monnaie il y avait une date ou pas. C'est pourquoi les pièces de monnaie anciennes sur lesquelles figure l'année de l'estampage sont d'une grande rareté. Bien sûr, il y a des exceptions. La chronique vidéo a conservé pour nous ces moments uniques. Les archéologues versent sur la table le contenu de cet amphore d'argile. Ce sont des pièces du royaume du Bosphore trouvées en Crimée. Sur ces pièces sont présents non seulement les noms des gouvernants, mais aussi l'année de l'émission. En se basant sur cette découverte, on a pu dresser des listes des rois du Bosphore dont les noms n'ont jamais été mentionnés ailleurs. Mais ce genre de découverte, c'est vraiment une exception et pas la règle. Mais les archéologues disent qu'on peut déterminer l'âge d'une pièce d'après d'autres critères. Par exemple, s'il y a un portrait d'un empereur ou d'un roi et son nom, alors il n'y a rien de plus simple.
car il est bien connu en quelle année a régné Charles Ier ou Henri II ou Ivan IV le Terrible. Est-ce que réellement tout est aussi simple? Dans l'histoire, on connaît des exemples où l'image d'un chef du pays devenait pour les descendants un symbole que l'on plaçait entre autres sur des pièces, même de nombreuses années après sa mort. L'histoire de l'estampage de monnaie connaît beaucoup d'exemples de non-correspondance à des standards certains. Bien sûr qu'il y a eu de tels cas. Par exemple, les pièces avec le nom du tsar Fedor Ier ont été estampées en Russie à l'époque de la fin des temps des troubles. Parce que pour certains acteurs politiques, le nom de ce tsar symbolisait la résistance. Bien qu'à ce moment-là, ce tsar ait été décédé depuis une quinzaine d'années déjà. C'est encore plus compliqué en ce qui concerne les pièces antiques. Dans l'Antiquité, on a estampé beaucoup de pièces d'imitation. Par exemple, l'autel des monnaies de l'Empire romain frappait ces monnaies légales avec un portrait d'un empereur de l'époque. Ces monnaies arrivaient non seulement dans les coins les plus éloignés de l'Empire, mais aussi dans des territoires voisins qui se trouvaient dans le champ d'intérêt politique ou économique de Rome. Les peuples qui habitaient sur ces territoires n'avaient pas leur propre monnaie nationale. Alors, ils imitaient la monnaie de Rome et faisaient des copies des pièces impériales. Le plus souvent, on imitait les monnaies les plus répandues. Ça veut dire que s'ils avaient vu surtout des pièces avec le portrait de l'empereur Trajan, alors ils estampaient des monnaies avec le portrait de Trajan. Et que Trajan soit mort ou vivant, cela n'avait aucune importance. Il pouvait s'écouler tout un siècle après la mort de cet empereur, mais on continuait à estamper cette monnaie. Ou un autre exemple. Voici une pièce connue, la tétradrachme avec l'image d'Alexandre le Grand. Durant de nombreuses années, des imitations de cette monnaie d'Athènes ont été frappées partout où elle était répandue. Surtout le pourtour de la mer Noire, en Asie mineure, en Afrique du Nord, au Proche-Orient. Si on trouve cette pièce dans une strate culturelle d'un ancien site, il sera très difficile d'établir l'âge de la strate et de la pièce même. Et le portrait de l'empereur à nouveau ne sera pas d'une grande utilité. Sur les pièces d'Alexandre le Grand, on mettait son portrait assimilé à l'image d'Hercule. On peut parler d'une certaine ressemblance. Néanmoins, à cette époque, il n'était pas encore convenu de mettre sur des pièces des portraits de personnages réels, même si c'était Alexandre le Grand. Cette monnaie n'était pas exclusivement frappée par l'autel de la monnaie de ce grand empire. Ça se faisait aussi dans beaucoup de territoires voisins. En d'autres termes, on arrive à la conclusion que le portrait d'un roi sur une monnaie ne veut pas toujours dire qu'elle a été estampée dans son royaume ni lors de son règne. Mais l'argent, ce n'est pas seulement des pièces de monnaie. Par exemple, lors des fouilles des anciens sites russes, les archéologues trouvent souvent des barres d'argent et pas des pièces. On suppose que les pièces en argent n'avaient pas beaucoup de valeur à l'époque ancienne, car l'argent utilisé avait une grosse proportion d'additifs. C'est pourquoi on n'estampait pas beaucoup de pièces, mais on utilisait plutôt des barres en argent pur. Mais ces barres n'ont aucun signe qui pourrait servir à la datation. Il n'y a ni date, ni portrait, ni particularité d'estampage. Ici, les scientifiques ne peuvent pas établir grand-chose, à part une période approximative durant laquelle ces barres ont été utilisées. Il n'est bien sûr pas possible de dater la strate culturelle à l'aide de cette monnaie. Il y a aussi des pièces de monnaie qui ne comportent pas de signes distinctifs. Sur ces pièces, il n'y a pas de date, il n'y a même pas d'écriture ni de portrait de roi. Au lieu de ça, sur les pièces anciennes, on peut souvent voir des représentations d'animaux, d'oiseaux, de fleurs et même d'insectes. Sans les dates ni les noms, ces pièces de monnaie, ce ne sont que des objets en métal. Il est difficile d'établir non seulement l'année d'estampage, mais même lesquelles de ces pièces ont été fabriquées plus tôt et lesquelles plus tard. Dans certains des cas, en analysant l'alliage, on peut déterminer l'endroit d'où on a extrait le métal. Mais par ce moyen, il est impossible d'établir l'âge de la monnaie. Malgré toutes les difficultés d'application de cette méthode,
période, la découverte des pièces de monnaie est toujours très importante pour les archéologues. On ne peut pas dire que la datation d'une strate archéologique d'après les pièces de monnaie, c'est le meilleur moyen. Tout est toujours relatif. Mais aucun archéologue ne négligera l'information qu'on peut obtenir grâce à des pièces. Conclusion. La méthode de datation par des pièces de monnaie ne peut être utilisée si des pièces ne comportent pas de signes distinctifs. Ces signes font défaut à la majorité des anciennes pièces de monnaie. Elles-mêmes nécessitent des études afin de les dater. Aux temps anciens, tout comme aujourd'hui, le matériau le plus apporté, c'était l'argile. C'était valable aussi pour la fabrication d'ustensiles de maison. Des pots, des assiettes, des cruches ont été fabriqués en grande quantité. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que lors des fouilles, on découvre essentiellement des masses d'anciennes céramiques, en d'autres termes, d'objets en terre cuite. Pour établir l'âge des objets en terre cuite, les scientifiques tentent d'utiliser la méthode archéomagnétique. N'importe quelle argile contient des petites particules de fer, c'est pourquoi elle peut accumuler du magnétisme. Il suffit de cuire l'argile, c'est-à-dire de la chauffer à une température supérieure à 600 degrés, pour faire en quelque sorte figer ce champ magnétique. Un objet fini en terre cuite mémorise la valeur et l'orientation du champ magnétique de l'endroit sur Terre où elle a été fabriquée. Mais des siècles ou des millénaires étant passés, il n'est pas du tout évident de déterminer l'âge de cette cruche, par exemple. Pour cela, il ne suffit pas de connaître comment a évolué le champ magnétique de la planète durant des siècles. Il faut savoir comment il a changé dans chaque région donnée. Et même cela ne suffit pas. Il faut disposer d'informations additionnelles sur la cruche elle-même. Comment elle a été positionnée dans le four lors de la cuisson? Est-ce que le four a été chauffé de façon régulière? Est-ce qu'il n'y a pas eu à côté du four ou du fourneau des objets métalliques? Et ce n'est qu'une partie des questions auxquelles il est quasiment impossible de trouver des réponses. La méthode archéomagnétique d'après le champ magnétique de la Terre n'est pas sûre et manque de stabilité. Malgré que certains adeptes essaient de l'appliquer, elle ne résiste pas à la concurrence. Conclusion. La méthode archéomagnétique est intéressante en théorie, mais difficilement applicable en pratique. Il est quasiment impossible d'établir une datation exacte. Autrefois, on mesurait le temps à l'aide d'un sablier. Chaque famille aisée possédait cet appareil simple. Les parois du sablier sont graduées de façon à mesurer des laps de temps. 5 minutes, 10, 15. Les scientifiques ont eu l'idée d'appliquer ce principe pour savoir à quelle vitesse se sont formés des dépôts sédimentaires sur Terre. Cette idée a rapidement gagné en popularité dans le monde entier. Malgré cela, de nombreuses études ont donné des résultats pas très encourageants. Il s'agit du fait que des roches différentes ont une vitesse de formation différente. Le sable s'accumule de quelques centimètres par an.
et l'argile a besoin de 1000 ans pour former un dépôt de 10 cm. De plus, dans chaque zone climatique, la vitesse de formation de dépôts change. Dans les tropiques et au-delà du cercle polaire, la même roche va s'accumuler à une vitesse différente. Par exemple, on sait qu'en Égypte, des constructions réalisées à l'époque de Ramsès II sont enterrées sous une couche de 3 mètres de sable. Il est convenu de croire que ce pharaon a régné plus de 3000 ans en arrière. Ça voudrait dire qu'ici, le dépôt de sable haut d'un mètre se forme en espace de 1000 ans. Mais dans certaines régions de l'Europe, durant la même période, se sont accumulés seulement 3 cm de dépôt. Dans les bouches des Limans au sud de l'Ukraine, 3 cm de dépôt s'accumulent chaque année. Voici un autre exemple. Les scientifiques ont établi que les calcaires se forment assez lentement, quelques dizaines de centimètres en 1000 ans. Mais sur les îles Paracel, dans un récif calcaire à la profondeur d'un mètre et demi, on a trouvé des monnaies espagnoles du 15e siècle. Si les scientifiques sont sûrs que ces pièces ont été fabriquées au 15e siècle, ça veut dire que les calculs de base sont erronés et les calcaires peuvent augmenter de 30 cm en 100 ans et non pas en 1000 ans. Ces derniers temps, cette méthode n'est quasiment plus appliquée, car elle est très peu sûre. Les rapprochements avec des anciennetés archéologiques sont tellement conditionnels que cette méthode ne peut pas rivaliser avec la datation au carbone 14, par exemple, ou avec une autre. Conclusion. La méthode de datation par couche sédimentaire ne peut être utilisée que pour déterminer l'âge des dépôts récents. Elle ne fonctionne pas vraiment pour la datation des dépôts anciens. Les scientifiques pensent avoir beaucoup de chance si lors des fouilles sur des sites, ils trouvent des fragments en bois, car du coup, ils ont la possibilité de déterminer l'âge du site avec une précision presque d'un an, sans parler que pour déterminer le siècle, ça devient vraiment facile. Comment ? À l'aide de la dendrochronologie. Étudions si c'est réellement si facile. La dendrochronologie, c'est une méthode de datation des monuments historiques et d'objets anciens. Elle est apparue à la fin du 19e, au début du 20e siècle, à la pointe des trois sciences, de la géographie, de l'histoire et de la biologie. En 1920, un scientifique américain, Andrew Douglas, a appliqué cette méthode pour la première fois pour la datation des ruines des sites indiens au sud-ouest des États-Unis. La méthode dendrochronologique se base sur une loi naturelle, selon laquelle chaque année la largeur d'un arbre augmente d'un cerne. La croissance des arbres n'est pas toujours égale. Durant une année chaude et ensoleillée, avec suffisamment de précipitations, l'arbre produit beaucoup de bois et le cerne qui va se rajouter durant cette année sera large. Si l'année est froide et sèche, le cerne sera plus petit. On suppose que les arbres d'une même espèce, qui poussent dans un même endroit et même climat, auront des cernes annuelles de largeur plus ou moins égale. Mais comment peut-on savoir en quelle année a été faite une construction en bois trouvée lors des fouilles à l'aide de cette méthode? Pour cela, il faut effectuer et comparer deux graphiques. L'un sera basé sur les cernes annuelles d'un bois trouvé, et l'autre sera le graphique de référence de cette espèce d'arbre. Le scientifique prend une section de tronc d'un arbre fossile et la place sous un microscope. Pour pouvoir obtenir un graphique le plus précis possible, les cernes annuelles sont étudiées d'après quatre rayons. Pour obtenir une image très distincte des anneaux, la section est grattée et on y passe du crayon. Le chercheur doit compter le nombre d'anneaux, mesurer leur largeur et construire un graphique dendrochronologique à l'aide d'un logiciel. C'est de cette manière qu'il faut réaliser des graphiques pour tous les bois trouvés sur le site.
Maintenant, il faut construire un graphique de référence. Pour construire une échelle la plus longue possible, d'abord, il faut étudier l'arbre le plus vieux de l'espèce en question. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'abattre un arbre vivant. Il suffit d'extraire un petit échantillon qui s'appelle la carotte. Le chercheur en dendrochronologie, à l'aide d'un forêt, perce un trou dans un tronc d'un arbre et extrait cet échantillon. La carotte est placée sous un microscope numérique. Et à nouveau, sur l'écran, nous pouvons voir l'image distincte des cernes annuelles. Le début de l'échelle dendrochronologique de référence est fait. Et c'est ici que nous rencontrons la première difficulté. En fait, dans les forêts européennes, les arbres ne poussent que durant 400 années, 500 années au maximum. Ce qui veut dire que sur la base des arbres vivants, nous pouvons construire une échelle à partir de nos jours et seulement jusqu'à l'an 1500. Pour allonger cette échelle, il faut étudier le bois mort ou le bois séché. Cette fois-ci, on peut faire une section du tronc, comme pour les échantillons du cycle. Il faut comparer le graphique d'un bois mort avec le graphique d'un bois encore vivant pour y trouver une partie concordante où les cernes annuelles sont identiques. Ainsi, on peut voir quand l'arbre a commencé à pousser et quand il est mort. Par ce moyen, on arrive à rallonger notre échelle d'étalonnage encore de 500 ans dans le passé et on obtient l'an 1000. À cette étape, on rencontre la deuxième difficulté. Comment encore faire continuer cette échelle vers le passé? C'est à ce problème qu'à un moment donné se sont heurtés les scientifiques de tous les pays européens. Pour de telles espèces d'arbres comme le chêne, le buis, le cèdre, le pin, le genévrier, on a réussi à construire les échelles de référence continues seulement jusqu'à l'an 1000 de notre ère. Plus loin, on a des lacunes. Apparaissent des lacunes ou des hiatus. C'est un mot latin où on ne peut pas savoir ce qu'il y a eu ici exactement. Il est alors nécessaire de rassembler plus de données pour pouvoir combler ces lacunes. D'ailleurs, dans le travail scientifique, c'est quelque chose que l'on rencontre tout le temps. Bien souvent, on n'a pas assez de données, de matériel. Il faut alors chercher et analyser ce matériel. Sinon, il faudrait élaborer des méthodes plus précises qui permettraient de dater le matériel que l'on a déjà. Il apparaît qu'en Europe, il est possible de déterminer l'âge des découvertes en bois seulement si ce bois a été coupé après l'an 1000. La dendrochronologie aux États-Unis a une position un peu meilleure. Sur ce continent, on a des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 4500 ans. Par exemple, le séquoia, l'échantillon d'un seul arbre vivant, permet d'établir une échelle de référence de 4000 années dans le passé d'un coup. Mais il est impossible de l'appliquer pour la datation des sites en bois européens ou asiatiques. Mais c'est justement en Europe et en Asie que sont concentrés les sites archéologiques les plus importants de l'humanité. Revenons à notre échantillon, on a eu de la chance. Ces bois ont été coupés au milieu du XVIe siècle. S'il s'était avéré que les échantillons aient été beaucoup plus anciens, la méthode dendrochronologique ne nous aurait pas été de grande utilité. Mais ce n'est pas la seule difficulté de l'utilisation de cette méthode. Pour établir l'âge d'un site archéologique, il ne suffit pas d'y trouver un seul rondin. En l'envoyant au laboratoire, les archéologues peuvent apprendre seulement de quelle espèce était l'arbre et combien d'années il a vécu. Pour effectuer des études dendrochronologiques sérieuses, il faut plusieurs dizaines de rondins. Et ce n'est pas dans tous les sites archéologiques que l'on peut trouver autant de bois. C'est pourquoi, si les historiens disent qu'un bois trouvé dans un tombeau d'un pharaon date d'un énième millénaire d'avant notre ère, ils ne se basaient pas sur une étude dendrochronologique, mais sur des suppositions historiques. Il est important aussi de savoir comment le bois a été traité et dans quelles conditions il s'est conservé. Les bâtisseurs auraient pu enlever une partie de couche supérieure d'un tronc en le préparant, ce qui représente plusieurs cernes. Et aujourd'hui, on ne peut plus savoir combien exactement. Quand vous prenez un rondin, il doit avoir le dernier anneau ou l'anneau extérieur.
Si vous ne l'avez pas, il faut le dire. Vous dites alors qu'il n'y en a pas. Disons que les dernières annonces sont datées de l'an 1200, mais on sait que plusieurs couches ont été enlevées. Vous estimez alors que, d'après certaines données, c'est approximativement 20 cernes qui manquent, ce qui donne l'an 1220. Mais vous n'avez pas le droit d'avancer ce chiffre. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que le dernier anneau est daté de l'an 1200. Et si c'est plus que 20 cernes, disons une centaine de cernes? 100 cernes, c'est tout un siècle. La datation d'ordre chronologique des pavés anciens en bois de Novgorod a été considérée comme un grand succès. Dans cette ville, on a découvert 28 couches de pavés superposées. Il ne s'agit pas des restes à moitié pourris. Là, on parle de troncs de pin en excellent état de conservation. Après avoir étudié les cernes annuelles, les scientifiques ont émis la conclusion que les habitants de Novgorod ont créé ce feuillet des pavés durant 550 années. On croit que Novgorod a été fondée au Xe siècle. La première couche des pavés a dû être déposée juste après la fondation de la ville. La ville de Novgorod a été fondée dans un endroit marécageux. Et dans des endroits marécageux, on ne peut pas se passer de pavés en bois. On ajoute 550 ans et on obtient le milieu du 15e siècle. Et c'est justement du 15e siècle que les archéologues ont daté la dernière couche des pavés. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du 16e siècle, les habitants de la ville ont cessé de poser des couches des pavés en bois? Et que jusqu'à l'apparition de l'asphalte, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, dans les rues, ils se noyaient dans la boue. L'explication des archéologues que toutes les couches des pavés faites après le XVe siècle se sont décomposées sans traces n'est pas très convaincante. Bien sûr, les couches les plus anciennes du feuillet de Novgorod se sont retrouvées dans un sol marécageux, et on sait que dans les marécages, la décomposition des restes organiques est ralentie. Mais pourquoi ces lois physiques ne s'appliquent qu'à des pavés qui ont été déposés avant le XVe siècle? La question persiste, bien que les archéologues aient clôturé ce sujet. Des deux choses l'une, soit la méthode de datation d'ordre chronologique peut se tromper de 500 années ou plus, soit la ville qui est aujourd'hui connue sous le nom de Novgorod-la-Grande a été fondée beaucoup plus tard qu'on croit. La date de sa naissance, ce n'est pas le 10e, mais le 15e siècle. Conclusion. La dendrochronologie permet d'établir une datation plus ou moins exacte à condition de respecter tous les critères requis. La plupart des monuments archéologiques ne répondaient pas à tous les critères à la fois. Aujourd'hui, la méthode du carbone 14 est considérée comme la méthode principale pour la datation des découvertes archéologiques. Cette méthode physique est utilisée pour établir l'âge d'objets et de matières d'origine biologique. Elle a été proposée par un scientifique américain, Willard Frank Libby, en 1947. Il faut souligner que la méthode est appliquée uniquement pour les études d'objets organiques. À l'aide de carbone 14, on peut dater les restes des animaux, le bois, le tissu, le papier. Comment fonctionne cette méthode? Tous les organismes biologiques contiennent du carbone. Dans l'atmosphère, le carbone est présent sous forme d'isotopes stables C12 et C13, et aussi sous forme d'isotopes radioactifs C14. L'isotope C14 se forme dans l'atmosphère en permanence, sous l'action de la radioactivité. En gros, la source principale de radioactivité, c'est le rayonnement cosmique. On a pu calculer que chaque année, dans l'atmosphère de la Terre, se forme et se désintègre presque 7 kg de radiocarbone. Après sa formation à la hauteur de 15 km, le radiocarbone entre en réaction avec l'oxygène et se répand dans l'atmosphère. Il pénètre dans les plantes. Les animaux se nourrissent des plantes. De cette manière, le radiocarbone se retrouve dans leurs organismes. L'homme se nourrit des deux. Par ce moyen, le radiocarbone arrive dans nos tissus.
Après la mort d'un organisme vivant, le radiocarbone ne pénètre plus dans ses tissus, l'échange carbonique est stoppé. Ça veut dire que le carbone stable se conserve dans les restes et le carbone radioactif diminue peu à peu. Pour connaître combien de temps s'est écoulé depuis la mort de tel ou tel organisme, il faut mesurer la quantité de radiocarbone qui est encore contenue dans les restes. Regardons de quoi ça a l'air en pratique. Ces images ont été tournées en Éthiopie. Elles nous ont été gracieusement fournies par l'Institut d'écologie et d'évolution de Severtsov. Ces scientifiques ont participé à une expédition archéologique dans ce pays africain. Lors des fouilles, ils ont trouvé des restes d'antilopes. Pour déterminer combien de temps s'est écoulé depuis la mort de l'animal, les scientifiques ont prélevé un fragment de crâne, plus précisément une corne. Maintenant, nous sommes dans un laboratoire de l'Institut à Moscou. Les chercheurs scrutent cet échantillon et préparent ces fragments pour une analyse. Afin de débarrasser l'échantillon des mélanges non souhaitables, il est placé dans un récipient avec de l'acide chlorhydrique. Après ce traitement, l'échantillon est chauffé dans un four spécial et on peut commencer à l'analyser. Les analyses sont effectuées sur ce genre d'installation. À l'aide des pompes, on crée le vide dans toutes les ampoules. On place l'échantillon cuit dans cette ampoule et on remplit une autre d'eau distillée qui, goutte par goutte, passera dans la première ampoule avec l'échantillon. Une réaction a commencé. L'échantillon émet un gaz transparent qui s'appelle l'acétylène. Pour le récupérer, il faut des ampoules que l'on appelle des pièges. Elles sont réfrigérées à l'aide d'azote liquide. L'acétylène arrive dans le premier piège, ensuite dans le deuxième. Durant la réaction qui est en train de se produire dans l'ampoule avec l'échantillon, il faut raccorder à l'installation un catalyseur. La bouteille avec le catalyseur est branchée à l'installation et placée dans un four spécial. Dans l'ampoule contenant l'échantillon, la mousse ne se produit plus. Ça veut dire que la réaction est finie. Tout l'acétylène est réfrigéré dans le premier piège. Le temps qu'il se décongèle, on doit brancher à l'installation une bouteille avec du charbon actif. Après la décongélation, l'acétylène du deuxième piège est passé à travers le liquide de purification, puis de l'anhydrone et de l'alcali. Il s'accumule dans la bouteille avec le charbon actif. Le liquide de purification nettoie le gaz de possibles impuretés. L'alcali et l'anhydrone enlèvent les vapeurs d'eau. Petit à petit, l'acétylène est capté dans ce piège. Ensuite, il arrive sur le catalyseur rechauffé qui est sorti du four. Puis il est placé dans une ampoule avec l'eau. Ici, au fond, se forme le benzène. On branche le dernier piège et le catalyseur est à nouveau placé dans le four. Dans ce piège se trouve le benzène qu'il fallait obtenir. Après quelques heures de repos dans un réfrigérateur, le benzène est introduit avec précaution dans un conteneur qui est à son tour placé dans un appareil de mesure. Cette machine doit calculer l'âge radiocarbonique de notre échantillon. Les données obtenues à l'aide de cette machine sont saisies sur ordinateur dans un logiciel qui traduit l'âge radiocarbonique en âge de calendrier. Voici le résultat de notre étude. L'antilope africaine a vécu dans une période entre l'an 790 et 510 d'avant notre ère. On dirait que tout est simple et clair. Mais est-ce que les datations obtenues correspondent toujours à la réalité? Surviennent-ils des erreurs?
En fait, durant l'analyse de radiocarbone, on utilise des systèmes très complexes de mesure et leur fonctionnement, disons le fonctionnement de photomultiplicateur, est soumis à des variations. La probabilité d'une erreur existait bien et elle n'est pas négligeable. La précision de datation peut être influencée par les variations de la concentration du radiocarbone dans l'atmosphère. L'isotope C14 se forme sous l'action du rayonnement cosmique, mais la vitesse de son accumulation n'a jamais été constante. Par exemple, en période de haute activité solaire, il y a moins de rayonnement cosmique qui atteint la Terre. Si l'activité est basse, alors il y en a plus. Un autre facteur qui joue un rôle important dans la formation du radiocarbone, c'est l'intensité du champ magnétique de la Terre, qui n'est pas constante non plus. Et encore un élément important. Lors des études de datation de chaque objet organique, il faut tenir compte de ce qu'on appelle un effet post-bombe. Dans les années 50 du siècle passé, on a fait des essais nucléaires atmosphériques. Suite à quoi la concentration de radiocarbone dans l'atmosphère a presque doublé. Il existe également un groupe d'organismes qui affiche un âge radiocarbonique fictif, ce qui veut dire que la datation à l'aide du carbone 14 de n'importe quel organisme qui vit dans l'eau de mer donnera un résultat trop élevé par rapport à la réalité. Ça se produit parce que les dépôts sédimentaires dans les océans ont une concentration élevée de carbone radioactif. Ces couches sédimentaires sont là depuis des lustres et la période de radioactivité du C14 est approximativement de 5700 ans. C'est pourquoi le radiocarbone des océans est très vieux ou même déjà mort du point de vue de l'analyse au carbone 14. Mais il a été assimilé et il l'est toujours par les organismes des habitants des mers en les vieillissant parfois de milliers d'années. Il y a également quelques difficultés dans la datation des monuments anciens en bois, car les analyses révèlent seulement la période où l'arbre était mort, mais pas la période où les humains ont construit quelque chose avec. Par exemple, dans les conditions arctiques, on utilise souvent des bois flottés ou les bois qui sont échoués par la mer pour la construction ou autres besoins ménagers, en tant que combustible, par exemple. Alors ce bois aurait pu rester sur les côtes durant un temps assez important. Il est possible que le bois ait passé plusieurs siècles avant de se retrouver dans une construction qui est aujourd'hui devenue un site archéologique. De plus, le même bois peut être utilisé par les habitants plusieurs fois. Alors la datation qu'on obtient par ce bois ne nous dit pas forcément l'âge du monument, elle parle seulement de l'âge du bois. Ce n'est pas mieux avec la datation des sources écrites. Souvent, les employés des musées demandent aux chercheurs d'effectuer des datations des objets exposés, entre autres d'anciens manuscrits. Car on peut faire une analyse avec un tout petit fragment. Généralement, les employés des musées ne connaissaient pas toute l'histoire de la conservation de ces objets. Pour développer qui, quand et avec quoi avait traité ces manuscrits pour les préserver des rongeurs, des insectes et des divers micro-organismes. C'est pourquoi, lors des datations de ces objets, il y a une marge d'erreur qui est assez importante. Bien sûr, dans l'arsenal des scientifiques, il y a des logiciels qui font des analyses des échantillons avec des ajustements correspondant à tous les facteurs énumérés, tout comme il y a des recettes de nettoyage de matière organique des impuretés. Néanmoins, les erreurs surviennent. Plusieurs travaux ont été menés dans des grands laboratoires de carbone 14 qui effectuent un grand nombre d'études de datation. Dans ces travaux, on a pu démontrer que pratiquement chaque dixième résultat obtenu diffère outre mesure de l'âge réel de l'échantillon. Chaque dixième datation réalisée dans des meilleurs laboratoires du monde est erronée. Ça veut dire qu'au moins 10% des dates utilisées par les scientifiques pour la datation des objets anciens sont erronées. Des dates qui continuent à être utilisées. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de dates de radiocarbone dans le monde entier.
Essentiellement, c'est notre base la plus importante lorsqu'on approfondit jusqu'à 40-45 000 ans. C'est la méthode principale de nos datations. Oui, elle a ses défauts, elle a ses restrictions, mais nous n'avions rien d'autre pour ça, rien. C'est pourquoi nous sommes obligés de construire nos conclusions sur cette base-là, et nous le faisons. Les scientifiques disent souvent qu'en établissant l'âge d'un objet organique, il ne suffit pas à une seule analyse et que seulement la concordance de plusieurs résultats de mesure peuvent garantir l'exactitude des datations. En 1988, on a réalisé une datation au carbone 14 qui est devenue l'une des plus célèbres. Dans des laboratoires d'analyse au carbone 14 de l'Université de l'Arizona aux États-Unis, de l'Université d'Oxford en Grande-Bretagne et de l'Institut fédéral polytechnique à Zurich en Suisse, indépendamment les uns des autres, les scientifiques ont analysé des fragments d'une certaine toile. C'était des études à l'aveugle, c'est-à-dire que les chercheurs n'étaient pas au courant de la provenance de ces échantillons. C'était des morceaux du sanctuaire, du linceul de 3 mètres dans lequel, d'après la tradition, Joseph d'Arimathie a enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa souffrance sur la croix et sa mort. Depuis 1578, le sanctuaire est conservé dans une arche spéciale dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin. C'est pourquoi aujourd'hui il est connu sous le nom de Suaire de Turin. Le 21 avril de 1988, en présence du cardinal Anastasio Balestrero, l'archevêque de Turin et d'experts invités, on a découpé du suaire en morceaux de 7 cm carrés. Ce morceau a été découpé en 3 parties qu'on a envoyées dans des laboratoires pour effectuer des analyses. Les 3 laboratoires ont daté indépendamment les fragments de toile du 12e, 14e siècle de notre ère. Mais selon la chronologie admise aujourd'hui, le Christ est né 2000 ans en arrière. Du coup, au lieu de donner une réponse concernant l'âge du suaire, l'analyse au carbone 14 a engendré encore plus de questions. Soit cette relique de Turin est en faux, soit les erreurs de datation en carbone 14 peuvent atteindre des valeurs de centaines ou même de milliers d'années, soit le suaire est authentique en ce moment dans quel siècle a vécu le Christ. Les débats ne cessaient pas depuis plus de 20 ans. Conclusion. L'analyse au carbone 14 ne peut être utilisée que sur des objets organiques. Les erreurs de datation peuvent atteindre jusqu'à 2000 ans. Pour une datation d'un objet historique dont l'âge est estimé à plus de quelques centaines de milliers d'années, cette marge d'erreur est admissible. Mais pour la datation d'objets vieux de 2000, 4000 ans, cette marge est beaucoup trop élevée. Alors, nous avons étudié les méthodes principales que les scientifiques utilisent pour la datation des monuments historiques. Nous avons pu constater qu'on ne peut se fier entièrement à aucune de ces méthodes. Malheureusement, l'imperfection de toutes ces méthodes conduit à l'apparition d'un grand nombre d'erreurs. Beaucoup de ces erreurs se sont transformées en dogmes. En se basant sur ces dogmes, des nouvelles et des nouvelles générations d'historiens continuent à construire des versions erronées des événements de l'histoire mondiale. Tout le monde se trompe, les archéologues aussi, vous comprenez? Vous pensez que nous savons tout lorsque nous creusons des trous? Bien sûr que non. Nous allons espérer que nos physiciens, nos chimistes, nos biologistes inventeront un jour de nouvelles méthodes. Pour l'instant, je ne vois rien de tel, à part le fait qu'il faut perfectionner les méthodes existantes et accumuler de nouvelles données qui pourront combler ce de quoi on a déjà parlé, les lacunes. Nous avons beaucoup de lacunes, mais nous travaillons pour les combler.
Au XXe siècle, les historiens et les archéologues ont fait une constatation que ces derniers 200-300 ans, la majorité des anciens monuments ont commencé à se détériorer beaucoup plus rapidement que durant des siècles ou même des millénaires antérieurs. Par exemple, ont commencé à tomber des grosses parties du sphinx qui seraient restées entières durant 5000 ans, nous dit-on. En réalité, les scientifiques ne peuvent pas savoir avec quelle vitesse se faisait la détérioration des anciens monuments il y a 1000 ou au moins il y a 500 ans en arrière. Car c'est seulement depuis ces deux derniers siècles qu'on a commencé à les surveiller de manière constante. Certains scientifiques pensent que c'est l'industrie moderne qui cause la dégradation des monuments. D'autres pensent que c'est des changements climatiques et la pollution de l'environnement. Mais toutes ces suppositions n'ont aucun fondement scientifique, car on n'a jamais effectué d'études à grande échelle, à l'international. Probablement, tous ces monuments ne sont pas si anciens que ça, et ils se dégradent avec une vitesse tout à fait naturelle. Seulement, pour établir l'âge de ce patrimoine historique, il faut utiliser de nouvelles méthodes, autres que les méthodes habituelles. Dans la suite, nous allons parler de ces nouvelles méthodes de datation des événements historiques basées sur des méthodes mathématiques. Vous allez voir comment l'histoire est restaurée par des mathématiciens dans l'épisode suivant, intitulé « La vérité peut être calculée ».